Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va voir ensemble, eh bien, qu'est-ce qui vous retient? Qu'est-ce qui aujourd'hui ne vous permet pas de passer à l'action? Voilà. Qu'est-ce qui aujourd'hui vous bloque? Qu'est-ce qui aujourd'hui ne vous permet pas de prendre les décisions que vous devez prendre? Eh bien, c'est une chose. Il faut comprendre que aujourd'hui, ce qui vous bloque, c'est vous. C'est pas le gouvernement, c'est pas l'économie, c'est pas vos parents, c'est vous. Parce que vous êtes le créateur de votre vie et vous savez que eh bien, c'est vous qui prenez les décisions, c'est pas le reste. Et lorsqu'on sait que c'est nous qui nous retient dans nos actions, eh bien, on assume tout ce que l'on fait. Donc ça, il faut commencer à assumer tout ce que l'on fait pour tout simplement savoir que c'est nous qui nous retenons. C'est vous qui vous retenez. Donc vous devez savoir ça, c'est vous qui vous retenez. C'est pas les autres, c'est seulement vous. C'est vous qui vous trouvez des excuses, c'est vous qui ne décidez pas de passer à l'action. C'est vous. Donc, vous devez assumer que vous êtes prêt à changer votre vie et que ce n'est pas la faute des autres, c'est vous qui vous retenez encore une fois. Et donc, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez tout simplement faire des sacrifices. Voilà, sortir de vos zones de confort pour créer des opportunités. Vous devez toujours abandonner quelque chose pour créer une nouvelle opportunité. Vous abandonnez votre confort aujourd'hui pour créer l'opportunité de vous étendre, pour créer l'opportunité de créer de la richesse pour vous, mais également pour vos futures générations. Donc n'oubliez pas, c'est vous qui vous retenez. Et si vous souhaitez vous étendre, vous devez commencer à créer de nouvelles opportunités en faisant des sacrifices et en enlevant toutes ces choses qui sont confortables et aller dans l'inconfort.